peuple d'Afrique, peuple du monde, peuple d'Israël. Le sommet de l'avenir se tient aux Nations Unies, plus précisément aux États-Unis. Frères et sœurs, le général de Gaulle disait que l'ONU était marché. Aujourd'hui, nous allons écouter le discours du ministre des Affaires étrangères du Mali, l'éloquent Abdoulaye Diop. C'est important, on écoute ensemble et nous allons développer. And now give the floor to His Excellency Abdoulaye Diop, Minister of Foreign Affairs of Mali. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de délivrer le présent discours au nom de Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État du Mali et président de la Confédération des États du Sahel, réunissant le Mali, le Burkina et le Niger. Le sommet qui nous réunit et le pacte qui en résulte arrive à point nommé. En effet, notre organisation commune, les Nations Unies, a été créé essentiellement pour préserver les générations futures du fléau de la guerre. Il est regrettable de constater que, après près de 80 ans, nous n'avons jamais été autant menacés par les défis existentiels, pourtant évitables pour la plupart. La prolifération des tensions et des crises dans le monde, notamment le terrorisme, la pauvreté, les changements climatiques, les inégalités, les maladies, les confrontations géopolitiques et les velléités hégémoniques et de domination néocoloniale ont mis à rude épreuve l'action de notre cadre multilatéral incarné par l'ONU, lui-même reflet d'un ordre ancien et d'un monde d'hier. Dans ce contexte, le Mali avait fondé beaucoup d'espoir sur les forces internationales sur le terrain. Mais 10 ans après, nous nous sommes rendus au constat d'échec. Conséquemment, le gouvernement s'est attelé à renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité du Mali qui nous ont permis d'enregistrer des progrès tangibles dans la reconquête et la préservation de notre intégrité territoriale et de la protection des populations de notre pays. À cette occasion, je renouvelle la reconnaissance de mon pays pour les pays et organisations dont les Nations Unies qui ont exprimé leur solidarité avec mon pays lors des attentats terroristes qui ont visé mon pays le 17 septembre dernier. Et à la suite de la déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies, il est important que tous les États membres agissent dans la lutte contre le terrorisme en respectant leurs engagements internationaux et notamment les responsabilités à situer par rapport aux sponsors du terrorisme qui doivent assumer leurs responsabilités et être traduit devant la justice. Le sommet de l'avenir marque un nouveau départ pour la coopération internationale dans un cadre multilatéral pertinent, capable d'offrir un brillant avenir à toute l'humanité. Ainsi, nous devons agir collectivement pour renouveler notre engagement en faveur de la transformation du monde d'un cadre multilatéral qui a gouverné nos affaires jusqu'à présent. À cet égard, il est essentiel que des décisions et les engagements ambitieux permettent de répondre aux aspirations de nos populations, notamment ceux du Sud global. Il est également essentiel d'avoir le courage de procéder à des réformes de nos institutions multilatérales actuelles, notamment le Conseil de sécurité et des institutions internationales, afin de les adapter aux réalités de notre temps, afin qu'elles soient plus inclusives, plus justes, plus équitables, mais surtout plus représentatives. La question de la jeunesse est une dimension extrêmement importante qui doit occuper nos nations. Mon pays, le Mali, reste attaché aux principes clés de notre charte, notamment la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays et le respect de la souveraineté des États. Le Mali accorde également une attention particulière aux questions de financement du développement, notamment du développement durable. Nous pensons que la problématique du numérique aussi est une dimension essentielle. D'ailleurs, mon pays s'est engagé à mettre en place un programme ambitieux de digitalisation des services publics. Enfin, nous pensons que le pacte pour l'avenir est un chantier très ambitieux au plan national et au plan international, mais elle doit aller au-delà d'une promesse, d'une déclaration pour répondre aux aspirations
des générations actuelles et futures. Je vous remercie. Merci. Le ministre a parlé que ça doit aller au-delà des promesses. L'ONU, effectivement, ils sont habitués à promettre à n'en point finir. Je prends ici l'exemple de l'Haïti. Haïti est dans le chaos sécuritaire. Ils ont demandé à des soldats, des policiers, kenyans, béninois et autres, d'aller là-bas pour aller assurer la sécurité. Frères et sœurs, là où je vous parle, ils disent qu'ils n'ont pas l'argent pour financer ces policiers-là. Ces forces, n'est-ce pas, de sécurité, de stabilisation qui sont partis pour aller sécuriser Haïti. Le général de Gaulle disait que l'ONU était machin, et c'est vrai. On le voit, ce qui se passe dans les pays où le terrorisme, n'est-ce pas, gangrène, où les financiers et les sponsors, l'ONU est toujours taisé dessus. N'oubliez pas également, n'oubliez pas, la réforme de l'ONU, qui est importante. L'Afrique, nous avons 54 pays. Et c'est maintenant en 2024, depuis 80 ans, que l'on veut nous donner un siège permanent. Depuis des années, c'est-à-dire que près d'un siècle, c'est maintenant qu'on décide de donner un siège permanent à un continent de 54 pays. Cette ONU-là, cette organisation, doit effectivement être réformée de fond en comble. Il faut nettoyer, astiquer, il faut balayer, n'est-ce pas, la maison ONU, afin que des 109 puissent venir s'adapter à la nouvelle génération. Le discours du ministre des Affaires étrangères du Mali est un discours pertinent, percutant et un discours attentionné qui doit attirer votre attention. L'Afrique est réveillée, l'Afrique est éveillée et rien ne sera plus comme avant. Je vous remercie.